Bonjour à tous, la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme toujours, je vais partager avec vous cette petite vidéo. Une question de mobiliser un article. Aujourd'hui, l'article ceci, c'est de mobiliser une cellule. Alors, je ne vais pas tarder, on commence. Ctrl 1, nouveau pièce. On efface. Esquisse. Intelligente, une distance de 120, géométrie de construction. Je prends un arc, sinon on prend un spline. Aussi. Je valide. Maintenant, comme vous voyez, voilà mon premier esquisse. Plan de face, plan de dessus, plan de droite. Je prends maintenant le plan de droite, fonction, géométrie. Je vais créer un autre plan. Je clique sur cet point. Je valide. Plan normal, esquisse. Attention. Je prends arc par 3 points. Cotation. Rayon 250. Sinon, on change de rayon. Un rayon. Rien de 120. Rien de 120. On reprend. Voilà un nouveau profil. Donc je clique sur cette ligne. Contrôle. Avec 7 points. Et voilà la relation. Je clique. Je valide. Et maintenant, je valide mon esquisse. Comme vous voyez, alors, j'ai pas besoin pour le plan A, donc je le cache. Comme vous voyez sur mon menu, il n'y a
Pas de surface, je clique droit, angle, surface. Alors, sur la fonction surface, je vais choisir surface balayée. Mon profil, voilà. Je clique. Et vous voyez, c'est un demi-surface, donc je valide sur le demi. Maintenant, Titi. Toujours sur le plan de face, non, sur le plan du C, je valide. Un nouveau esquisse. Je clique sur la ligne. Je mettrai pour faire 110. Je prends un spline ou quelque chose comme ça. Et voilà. Un spline, le premier point. Deuxième point. Et maintenant, je valide. Comme vous voyez, mon spline, je peux le bouger comme je veux. Ok, on est d'accord. Alors, avec la fonction symétrie, je clique sur la ligne par rapport à la ligne et voilà. Tout est bien. Je vais faire juste quelques modifications. Non, comme je pense, elle est bonne. Alors, sur surface, extraordinaire. La distance, voilà. Je valide. Alors, les jeunes, je vais voir un petit astuce. Toujours sur la fonction surface, restreint les surfaces. On est d'accord. Je clique. Outil d'ajustement. Je clique sur cette surface. Enlever. Et je clique sur celui-ci. Tout est bon pour l'instant. On refait le travail. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, al-haq. Restreint la surface. Maintenant, le T, c'est celui-ci. Enlever. On clique sur cette surface. Je valide. Vous voyez, les gars? Alors, une petite astuce sur le plan de dessus, je valide. Esquisse. Je pense que j'ai pas besoin pour celui-ci, juste pour les lignes discontinues, je prends le lax. Alors, tout est bon. Alors, on va faire celui-ci. Esquisse. Voilà. C'est sans cotation. C'est à vous de voir la cotation. On est d'accord. Sur surface toujours. Restreint. Le tissu, l'esquisse. Exact sur cette surface. Je cache cette surface. Je valide. Alors, et voilà. Maintenant, j'ai cette surface qui est ouverte. Avec la surface, on va utiliser la surface plane. Je clique sur les arêtes et voilà, elle est bien enveloppée. On est d'accord, les gens. On va faire un petit congé pour casser les angles. C'est un congé de face. Je vais choisir cette face. La deuxième face, c'est celui-ci. Mais cette surface, je vais changer la direction. C'est à l'intérieur. Avec 10, je pense que ça ne marche pas. On verra avec 5. Ça ne marche pas aussi. Avec 3, ça ne marche pas aussi. Voilà. Donc, je vais changer. Je prends celui-ci et je clique. C'est la ligne. Oui, je sais, j'ai un petit souci. Alors, surface avec cette fonction, je clique.
celui-ci et celui-ci, un seul volet et celui-ci aussi. Je valide. Avec cette fonction de congé, cette face, celui-ci, avec cette direction et celle-là, congé de 15. Je vois pas pourquoi. Intégrale, mais il n'y a pas vraiment le rayon de congé est trop petit ou trop grand. Le congé ne peut pas être créé la direction. Ah oui, c'est vrai, j'ai un petit souci ici sur la direction. Donc, la création de congé, je vais les vérifier les phases et les options. Je vais voir avec cette direction. Alors on laisse les congés pour la fin. On est bien d'accord. Je vais voir avec cette un petit congé sur cette arête là. C'est pas de face. Arrondi, un congé de 3 mm. Je valide. Et voilà. Et ici un petit congé de cette arête là de 3 mm. Je valide. On verra après. Comme vous voyez, c'est des surfaces. Maintenant, je vais ajouter la matière à la surface avec la fonction épaisseur. Je clique sur l'ensemble à l'intérieur. Une épaisseur de 0,5. Je valide. Alors, je vais couper la section pour voir l'épaisseur de la sœur. Voilà, comme vous voyez, elle a un certain épaisseur. Si je vais cacher cette épaisseur, voilà. On fait de la coupe maintenant. Vous voyez, c'est juste une petite tôle avec un épaisseur nul. Donc, c'est simple d'ajouter la matière. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? On va faire une petite arrondi. J'ai changé juste. Voilà le plan de face. Et voilà. Esquisse. Je prends cette ligne. Je vais juste savoir où je suis. Je prends cette ligne là. Je vais juste orienter. Voilà les gars. On est d'accord là. Je peux maintenant changer. Massage. Un bossage de 1 mm de chaque côté avec 1 mm. Je valide. Ok. Un petit astuce. Je prends esquisse. Je prends. Sinon, on va utiliser les dents genre d'un carré, c'est mieux.
bossage. Bossage. Non, c'est pas avec révolution, c'est un bossage extra. Et si je prends la surface jusqu'à la fin de cette surface, je valide. Vous voyez? Alors, c'est simple de répéter. Répétition circulaire. Je rentre dedans de l'arbre de création. Je clique sur la fonction bossage. La direction, je vais faire sectionner celle-là. S66, c'est bien. Ok, d'accord. Et je valide mon pote. Maintenant, on va travailler un peu sur la couleur. Je supprime celui-ci. Je prends la surface. Je vais faire du coin avec la couleur jaune. Elle est bien présentée. Je prends celui-ci avec cette façade aussi. Je valide. C'est juste esthétique, ok? On va prendre aussi celle-là. Bossage. Bossage. Ok, d'accord. Tu es en colère de moi, sans problème. Avec une couleur verte. Sinon, on va faire. Non, le noir il est très. Celui-ci. Cette surface aussi. Et les dents et ainsi de suite. C'est facile de le suivre, ok. Maintenant, je vais faire une couleur aussi pour celle-là. Sur cette façade, je vois avec le rouge, je vois les très méchantes, le jaune, le vert. Essentiel, c'est à vous de voir la couleur. Je préfère celui-ci, ok, d'accord. Maintenant, avec F, je vais modifier le dessin animé un peu pour voir la pièce mieux. Aussi, ombrer un peu. C'est simple. Enfin, c'est l'esquisse. C'est le nom de ma chaîne, ok? Alors n'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin et d'abonner bien sûr sur ma chaîne. En cas de besoin de quelque chose, n'hésitez pas de me contacter. À la prochaine vidéo, inchallah.